réussir son 1 contre 1, jouer sur les appuis, bien cadrer le défenseur. On utilise le bras pour le rafuter ou le tenir à distance. On évoque le plaquage, notamment au challenge, on va demander aux joueurs bien sûr d'avoir un plaquage relativement bas, c'est-à-dire la ceinture. Pour ne pas subir le plaquage, il faut engager le corps, avancer vers le défenseur. Que l'Orange Rugby Challenge existe et chaque année on voit qu'ils montent en compétences, en qualité des joueurs, en investissement. Les féminines sont apparues il y a quelques années et on voit aujourd'hui le niveau qu'elles ont atteint. La journée a été merveilleuse. Pour eux c'est aussi un jour de fête, hein, c'est-à-dire une journée bien sûr basée sur le rugby, sur la compétition du challenge, mais aussi voilà, l'accès au Stade de France, de voir cette finale du top 14. Forcément ils vont garder un excellent souvenir. Je crois que ça doit inciter encore les garçons et les filles à travailler encore plus sérieusement tout au long de l'année avec leurs éducateurs sur les consignes des exercices de ce challenge qui sont à la fois techniques, à la fois stratégiques parfois. Mais je crois qu'avec le travail et beaucoup de volonté, on arrive à gagner. Donc une grande félicitation aux vainqueurs bien sûr, mais à tous en général.